Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons créer un tableau abstrait avec des restes de couleurs que je vous indiquerai au fur et à mesure. C'est un tuto anti-gaspi pour ne pas jeter vos restants. Si vous aimez mes vidéos, je vous invite à vous abonner, c'est gratuit. Vous recevrez une notification à chaque fois que j'en sortirai une. Mais n'attendez pas les notifications, j'en sors tous les lundis à 17h pour un sujet plus classique et tous les jeudis à 17h pour un sujet plus abstrait. En attendant, à nos couteaux. Pour réaliser ce tableau, j'utilise une toile en format 30-40. C'est du coton, tout simplement. J'aurais pu utiliser du lin si je l'avais souhaité, ou un format différent. Je l'ai enduite une couche fine d'acrylique blanche ou de gesso. J'ai séché au sèche-cheveux et je peux commencer. Je vais placer du ruban de marquage sur tout le tour de mon tableau. J'aurai ainsi, à la fin, quand j'enlèverai les scotchs, un joli bord blanc qui me fera comme un encadrement naturel. Un peu comme une Marie-Louise sur une aquarelle. J'appuie bien sur tous mes scotchs pour qu'ils adhèrent. Et je vais commencer par placer des couleurs. Donc vous voyez, j'ai des tas de couleurs restantes. Alors je vais les placer, je vais jouer le jeu. Je vais pouvoir essayer de ne pas en rajouter. C'est un défi. Alors ici, c'est un mélange de bleu de truce, à peine de noir et du blanc. Donc je vais commencer à le poser sur le côté de mon tableau. Je fais une couche plutôt fine, hein. Pas épaisse, pas épaisse, c'est de l'huile. Ici c'était un bleu clair, donc c'est la même couleur éclairci. Je prends tous mes clairs que j'ai là, je vais en faire un petit mélange. Alors je vais prendre cette couleur, c'est du noir. Et je vais finir avec, et bien écoutez, celle-ci, c'est un mélange de vert olive, un petit peu d'ocre jaune et du blanc. Je vais finir par elle. C'est une couleur plus lumineuse, je vais donc la remonter vers les autres. Si je suis trop sale, j'essuie mon couteau. Vous voyez ici, c'est parce que ma peinture est un peu vieille. Ça fait des petites peaux, des grumeaux, c'est pas grave. On joue. Je viens déconstruire un peu mes bords en frottant délicatement et en glissant. Des fois vers le haut, des fois vers le bas. Je suis en train de construire un fond. Je ne sais pas encore ce que je vais y mettre dessus. Je dégrade mes couleurs. Je rajoute du blanc pour venir lier.
J'ai du jaune clair fait avec du jaune foncé et du blanc. Je l'incorpore. En fait, quand vous allez créer un tableau abstrait, il n'est pas nécessaire de savoir à l'avance ce que vous voulez faire. Vous choisissez vos couleurs. Et l'important est de venir les lier. Des fois dans les fondus, des fois avec des zones un peu plus croûteuses, je dirais. Le côté croûteux, vous voyez, c'est quand je laisse les surépaisseurs. Je peux lisser vers le bas. Je viens effleurer. Je dois essuyer malheureusement. Ma couleur n'est plus pure. Cette couleur qui est très lumineuse et qui vient contraster avec le reste, je choisis de la laisser texturer vers le bas et de la fondre vers le haut. Je viens reprendre du noir. Je fleure sur mon orange. Sans trop. Je peux toujours, si je le souhaite, revenir faire couler de l'orange dessus en effleurant. La règle de base est de ne pas saturer ces couleurs, de ne pas trop les mélanger pour qu'elles restent le plus pures possible. Sinon, votre création va être très terne. Je peux lisser, comme je me le suis dit depuis le début, lisser le haut. Je peux tourner. Je peux venir commencer à composer. Traits qui vont me structurer.
Peut-être très joli aussi de revenir griffer. Je reviens ainsi sur les couleurs précédentes. Tout ceci, bien sûr, ne m'est permis que parce que je travaille à l'huile. Je peux revenir blanchir. Je peux revenir noircir. Je peux mettre un peu de peinture noire sur le rebord d'un gobelet. Pour créer un cercle. Cercle que je peux griffer. Juste quelques traits noirs. Juste quelques traits blancs, plus ou moins fins.
un escalier imaginaire pour accéder à ces tours. Et quand je trouve mon tableau équilibré, parce que tout est là, tout est juste une question d'équilibre, j'arrête, j'enlève mes scotchs. Et mon tableau est terminé. Voilà, ce tableau est terminé. J'espère que ça vous a plu. J'espère avoir pu vous aider dans vos futures créations, dans l'abstrait. Comme je le disais, tout est une question d'équilibre et surtout de ne pas saturer ses couleurs. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu, j'aime. Vous pouvez me laisser un message et vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. C'est pour recevoir les notifications. En attendant, je vous souhaite une belle fin de semaine. Je vous dis à lundi. Au revoir.